Votre agence CAFPI Vincennes, courtier en prêt immobilier, vous présente ce programme. L'activité est principalement de l'impression textile. C'est-à-dire on imprime les logos, les slogans pour les salons d'exposition, pour de l'événementiel. En fait, c'est un pur hasard parce que je suis musicien amateur et je collectionnais des guitares miniatures qui, à chaque fois, j'allais aux États-Unis, donc j'ai acheté en Californie. L'idée, c'est que mes amis avec qui je joue la musique me disaient qu'il fallait, pourquoi je ne les expose pas et éventuellement de les vendre. Je me suis confronté à un afflux de demandes d'informations, les gens qui sont intéressés par la qualité de ces guitares miniatures de réplique. Il faut savoir que ce sont des vraies guitares de réplique des musiciens très connus comme B.B. King ou Jimi Hendrix. Ce sont des guitares vraiment de collection, donc on peut les retrouver à Londres aux alentours de 60 euros. Actuellement, pour Noël, moi je les commercialise à 49 euros, ce qui explique un peu l'affluence des clients et surtout la qualité de ces guitares. Bah, au départ, c'était, je croyais qu'il n'y a que des musiciens qui viennent. Et finalement, tous les clients ne sont pas forcément musiciens. Soit ils offrent à leurs parents qui ont vécu la grande époque de Woodstock ou qui ont grandi avec les Beatles, les Stones. Donc à Vincennes, c'est une exclusivité. Il n'y a qu'ici qu'on trouve toutes ces guitares de réplique qui viennent des États-Unis et qui répondent quand même à une certaine norme de qualité. Et sachant que toutes nos séries Fender sont fabriquées sous licence Fender. Il faut dire que c'est un complément parce que les gens qui passent devant, ils sont émerveillés par la qualité de ces guitares. Donc ils sont rentrés et certains se sont rendus compte qu'en fait je fais aussi du textile. Alors qu'à l'origine, je fais du marquage textile. Mon magasin, il est ouvert de mardi à samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19h.